troisième niveau de sens, la culture, est ce qu'on appellerait l'hominisation. Ce niveau de sens a été élaboré par des philosophes, des anthropologues. Il a son antithèse dans la sauvagerie. Le sauvage, c'est un homme qui est supposé n'avoir aucune culture, comme un animal qui serait sauvage, c'est-à-dire qui n'a pas été domestiqué. Alors pourquoi dit-on d'un homme qu'il est cultivé ou d'un champ qu'il est cultivé alors qu'il peut être laissé à l'état sauvage, en jachère, et qu'on ne dit pas en français d'un animal qu'il est cultivé ou qu'il est domestiqué? Alors qu'en fait, domestiquer un animal, c'est le cultiver. C'est le faire rentrer dans la culture humaine. Vous lui donnez un nom, N-O-M. Vous l'introduisez dans votre espace familier. Vous lui parlez. Un animal domestiqué est en fait un animal cultivé. C'est parce qu'il y a une règle qui remonte au XVIIe siècle. Dans la langue française, qui ne veut pas qu'on emploie les mêmes mots pour les animaux et pour les humains. Il faut marquer la différence, c'est une histoire qui remonte aux précieuses. C'est un fait de société. Ici, la culture est le problème des mécanismes inconscients communs à tous les hommes et qui permettent à l'homme d'ajouter un homme fabriqué par lui à celui de la nature. Et le monde fabriqué par lui, ajouté à celui de la nature, est le monde du langage. Le monde de la loi, des règles, mais pas seulement soumis aux lois de la nature, c'est-à-dire à la loi de la pesanteur. Si vous poussez votre belle-mère par la fenêtre du 40e étage, elle va tomber selon les lois des chutes des corps, et justement vous serez passible après du tribunal. Vous êtes à la fois soumis aux lois de la nature et aux lois de la société. L'homme vise tout le règne de la coutume, de la loi, de la règle et le monde de la technique. Voilà trois grandes choses par lesquelles l'homme ajoute à la culture, à la nature, la technique, la loi, le langage. La grande question, c'est de savoir si c'est vraiment le propre de l'homme. Pourquoi chez l'homme, ces activités prennent une telle dimension? Car il est évident que dans le monde humain, nous sommes de moins en moins dans la nature et de plus en plus dans le langage, dans la loi et dans la technique. Réfléchir à la culture, c'est réfléchir à une dimension fondamentale de l'espèce humaine, par laquelle l'homme apparaît comme un être doux, un animal produit par la nature, un produit de la nature par l'évolution et un produit de la culture par l'éducation. L'homme est produit de l'hérédité et de l'héritage. Le grand problème, et ça nous le retrouvons puisque nous parlerons de l'inné et de l'acquis, c'est qu'il est certain que tout ce qui est acquis est culturel. Mais le problème, c'est que tout ce qui est culturel n'est peut-être pas que de l'acquis. C'est-à-dire que dans la culture, il y a aussi de l'idée. Tout serait simple si on pouvait dire que l'inné est seulement du domaine de la nature et l'acquis est seulement du domaine de la culture. Au contraire, la difficulté, c'est qu'il y a des conditions de possibilité innées à l'acquisition, et par conséquent, il y a des conditionnements innés à la culture. Ces trois niveaux ont un certain rapport, et il faut les parcourir successivement. Grand 3, l'origine de la culture. Tout commence par les mots, M-O-T-S. Le mot français « culture » vient du mot latin « cultura ». Ils reviennent d'un verbe colo, colere,
qui veut dire se mouvoir, se trouver habituellement, et qui s'est spécialisé dans le sens d'habituer et de cultiver. Il vient d'une vieille racine indo-européenne, une racine svel kuo, ce qui veut dire tourner, et qui est la base du mot kou, donc du mot col. Quand on tourne autour de quelque chose, c'est qu'on fréquente quelque chose. Revenir souvent, tourner autour d'eux. Chez les Romains, ce terme a donné deux séries de mots MOTS pour désigner l'habitant. Par exemple, agricola, c'est celui qui habite les champs. Le mot colon, colonie, c'est ceux qui partent habiter une terre supposée vide et qui vont prendre soin de cette terre pour la mettre en valeur. On arrive au deuxième sens du mot MOT, coléré, et qui a donné le mot culture et le mot culte, et qui veut dire s'occuper. La culture, c'est d'abord l'agriculture, c'est s'occuper d'un champ, c'est s'occuper d'une terre pour lui faire produire davantage. Et le culte, c'est l'activité par laquelle on s'occupe. Voilà quelles sont les racines du mot culture chez les Romains. Cela correspond tout à fait à la vieille culture romaine, culture de paysans, bien traditionnalistes, enracinés dans leur sol et qui ne se posent pas trop de questions métaphysiques. Le mot culture va prendre en latin un autre sens, suite à ce qui est vraiment une révolution culturelle. Cette révolution culturelle, c'est l'introduction progressive à Rome, à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, de la culture grecque. Cette introduction correspond à un besoin profond. C'est que Rome est devenue l'empire mondial de l'époque et qu'elle a besoin d'une culture universelle. Cette culture universelle, elle existe. Les Romains ont fait avant les Grecs exactement ce que les Américains ont fait au milieu du XXe siècle. Ils ont massivement inventé la culture européenne. Les Grecs avaient élaboré une notion fondamentale, la notion de paideia. C'est un mot fait sur la racine de paipodos, qui veut dire enfant. Qu'est-ce que la paideia ? La paideia des Grecs, c'est la réflexion sur l'art de l'éducation. Que faut-il transmettre à un enfant pour en faire un homme complet, pour en faire un homme aussi idéal que possible? Quand les Romains ont été en contact avec l'idée de la chose, la réalité de la paideia grecque, ils ont essayé plus ou moins de traduire ce mot par cultura et par beaucoup d'autres. Doctrina, l'enseignement. Disciplina, ce qu'il faut apprendre. Studium, étude. Les Grecs ont beaucoup réfléchi à la paideia parce qu'elle a été au cœur d'une révolution culturelle qu'ils ont accomplie. Les Grecs, comme tous les peuples, éduquaient leurs enfants, et en particulier l'aristocratie. C'est même un de leurs plus grands privilèges. Les Grecs avaient une vieille paideia qui était familiale, aristocratique et guerrière. C'était la paideia qui convenait à une société dominée par des guerriers, où il fallait faire des guerriers courageux, résistants, nobles. L'amas des valeurs de cette paideia, c'est la religion, la mythologie qui sert de modèle, la poésie épique, qui est une poésie guerrière, qui exalte les valeurs du combat. On a ajouté de la musique, parce que ça adoucit les mœurs. Ça discipline et les exercices physiques. Au 6e siècle, au 7e siècle, il y a eu une révolution intellectuelle dans le monde grec.
de cette révolution intellectuelle va sortir la démocratie, la science, la philosophie, telle que les Grecs l'entendent. Toute la médecine remonte à Hippocrate. Elle est l'un des purs produits de cette révolution-là, et évidemment la païdéia, car c'est une révolution culturelle, et par conséquent une révolution dans le monde, l'enseignement. L'enseignement va se spécialiser. Vont apparaître des gens qui vont dire « Nous sommes, nous, des professeurs, et nous pouvons à peu près tout vous enseigner. » On va les appeler des sophistes. Donc, on va voir apparaître des spécialistes de l'enseignement et qui seront payés. Ensuite, ils vont diversifier les tables de l'enseignement. Les sophistes pensent que tout peut s'enseigner. Ils vont démocratiser l'enseignement. Ils pensent que tout peut s'enseigner à tout le monde. C'est un vrai problème. C'est un débat sur la démocratie et sur l'égalité. Et surtout, les Grecs vont réfléchir au pourquoi de l'enseignement. Les Grecs n'ont pas inventé l'enseignement ni l'école. L'école et l'enseignement étaient connus des Égyptiens et des Mésopotamiens. Il y avait des écoles spécialisées pour apprendre à écrire les hiéroglyphes. Mais ce qui est très remarquable chez les Grecs, comme toujours les Grecs n'ont pas inventé l'arpentage, mais ils ont inventé la géométrie. C'est-à-dire qu'ils ont fait la théorie de l'arpentage. Ils n'ont pas inventé la médecine, mais ils ont essayé de faire la théorie de la médecine. Les Grecs, ce sont pas seulement des purs empiriques. Ils ajoutent la dimension logique, c'est-à-dire de la discussion, de la construction conceptuelle et de la définition. Toute science s'est toujours associée à une pratique, forcément empirique, dans le domaine du sensible, à une distanciation. Par conséquent, les Grecs n'ont pas inventé l'éducation, mais ils ont fait des théories radicales de l'éducation. Pourquoi faut-il que l'homme se cultive? Comment peut-il améliorer? Qu'est-ce qu'il faut enseigner? Faut-il enseigner la même chose à tout le monde? Et ils ont remarqué justement que plus que la nature, c'est la païdéia qui distingue les hommes. Et que si on donnait la même éducation à un homme libre et à un esclave, il y aurait très peu de différence entre eux. Et même qu'à un grec et à un barbare, à un homme et à une femme. Et Socrate dit explicitement, sauf pour la force physique, si on peut donner la même éducation, les femmes feraient exactement les mêmes choses que les hommes. Ça n'a pas empêché la société grecque de rester machiste, mais les idées peuvent aller beaucoup plus vite que la structure sociale. Une bonne partie de cet héritage a été grandement perdue. Et il n'a été retrouvé qu'en partie qu'au XVIe siècle. Venons au sens français du mot, M-O-T. En français, au XVIe siècle, le mot « culture » vaut pour un champ, mais par métaphore, on lui donne une portée morale. On peut très bien dire que la culture consiste à développer les facultés de l'esprit par des exercices appropriés. Au XVIIe siècle, le mot « culture » est toujours employé avec un complément. De même qu'on parlait de la culture du blé, on parle de la culture des lettres, de la culture des arts ou de la culture des sciences. Ça n'est passé qu'au XVIIIe siècle, enfin, que le mot « culture » va être employé pour désigner la formation de l'esprit sous tous ses aspects. Il a le même sens en allemand, et à l'époque, on a deux mots, M-O-T-S, pour désigner cette culture au sens de formation de l'esprit. Soit le mot « Kultur », soit le mot « Bildung ».
Fin 18e, la notion en allemand va éclater. Grand 4, la notion de culture générale et de culture classique. Cette culture est très importante. Dans plusieurs sociétés, elle s'est institutionnalisée. Dans nos sociétés, à l'aparté de cette culture, il y a une technique qui est l'écriture. Cette technique a son institution qui est l'école. Ce lien étroit de l'écriture et de la culture fonde une réalité encore existante dans nos sociétés, qui est la culture générale. Dès qu'une langue possède un système d'écriture, tout ce qui peut se dire...